Eh oh, les amis! Où êtes-vous? Ah, vous êtes là! Je vous présente Cowboy et Indien. Il y a Cheval aussi. Ce sont les stars de l'univers Panico Village, un monde animé créé par Stéphane Aubier et Vincent Patard. En ce moment, ils sont justement en train de tourner un nouveau film d'animation. Venez, on va découvrir cet incroyable univers. C'est ici, dans des studios à Uccles, que les figurines de Cowboy, Indien et leurs amis sont animées. Tout un travail pour les créateurs. Installer les accessoires dans le décor, régler la lumière, bien accrocher tous les éléments et puis seulement commencer l'animation en prenant des photos. Ça s'appelle du stop motion. Le stop motion, c'est une technique qui permet d'animer des objets qui ne bougent pas tout seuls, en fait, et de les voir bouger tout seuls en les animant image par image, en fait. À chaque fois, on les installe, on prend une photo, on les bouge, on reprend une photo, on les rebouge, on reprend une photo, et à la fin, on les voit bouger tout seuls, comme vous allez le voir dans le film ensuite. Dans un autre studio, c'est Vincent qui anime une nouvelle scène. Pour donner l'effet de fumée, il travaille avec de la wax. À chaque morceau ajouté, il fait une photo. La succession de toutes les photos donne le mouvement. Pour une seconde de film, il faut 24 photos. Salut! Il y avait du monde au magasin. Tiens, j'ai vu Janine et Steven. Dans ces 5 secondes d'extrait, il y a donc 120 photos qui se suivent. Alors, vous imaginez, pour 26 minutes de film, tout le travail que ça demande. Sans oublier qu'il faut aussi créer toutes les figurines. Et vous voyez que des cow-boys, des chevaux et des indiens, il y en a vraiment beaucoup. Un cheval assis, un cheval couché, un cheval qui court, un cheval qui baisse la tête. Ben oui, pour chaque mouvement, il faut un cheval différent. Et tous ces personnages sont créés ici, dans le bureau des décorateurs. On a d'abord eu 10 semaines de préparation pour confectionner les décors et les accessoires. Mais en période de tournage, nous continuons à fabriquer les accessoires manquants. Alors les deux réalisateurs, Vincent Patard et Stéphane Aubier, font des plans, des croquis, et ils nous les fournissent. Et nous nous basons sur ces plans et ces croquis pour réaliser tous les décors et les accessoires. Pour voir ce court-métrage d'animation à la télé, il faudra attendre encore un peu. En attendant, on retient Panico Village dans le cadre de cette semaine spéciale du cinéma belge sur toutes les antennes de la RTBF et sur OVIO.